j'ai pris pour de la bouffe, c'était de la souche. Il n'y a pas l'ombre d'une goutte. Le vendredi 22 décembre 2017, j'accompagnais Gilles Bruny à la chasse à la bloute sur les marais de Saint-Marc-de-Couté. Ouais, c'est vrai qu'elles sont pas forcément très en bon état. Celle-ci, elle est déjà une meilleure allure. Bon. C'est à plusieurs niveaux, voilà. De faire que je vois moins bien. Tac. Tac. Cool. Tout à l'heure, c'est la poule faisant, alors que j'ai vu. Ce jour-là, nous ramenions la grande bloute de Saint-Léger-les-Vignes. Elle allait passer des vacances à l'abri avant de reprendre son périple en janvier autour du lac de Grandlieu. Parfois, dans le journal filmé, il m'arrive de me perdre dans le temps, de mélanger le temps du tournage et celui du montage, de ne plus savoir où j'en suis. Erika Fulop écrivait dans un commentaire sous le journal filmé 113. Les temporalités s'entrecroisent, comme Proust qui les superpose de manière qu'on s'y perde. Mais à la fin, ce n'est pas tellement la chronologie des faits qui me semble apportée, mais la mémoire qu'on en garde, la manière dont ils enrichissent notre expérience présente. Et n'est-ce pas sous la forme des vidéos que cela se passe chez toi? Et ceux et celles qui les regardent ne les regardent probablement pas pour reconstituer ta biographie factuellement précise non plus. C'est quoi? J'ai une bande dessinée, ouais. Oh! Oh mon Dieu! Bon? Regarde, les crayons, oui. le dessin. Mais c'est des gros tubes! Je pensais que c'était des tout petits tubes! J'en ai pour plein de jours là! Mais c'est six peintures! Avec de l'huile! Ça va pour les. Ouais, mais c'est des sacrés pinceaux. Hein.
Again. Allez, vas-y. C'est des trucs filmés? Ouais. C'est des trucs de journal filmé? Ouais, de Boris Lehmann.